vénération pour Basile, qui lui rendait bien d'ailleurs, mais celui qui était autoritaire, c'était Basile. Et Basile décidait, Grégoire suivait. Mais ce jour-là, il n'a pas pu suivre. Et son corps, c'est intéressant d'ailleurs, quand on parle du chemin qu'on réussit, c'est son corps qui a flanché. Il ne pouvait pas s'accommoder de cette vie trop rude, dans une grotte, mangeant une espèce de brouet fait d'herbe et tout ça, et Basile trouvait que c'était bien quand même. Mais le corps de Grégoire de Nazareth a cédé. Mais, comme lui, il avait décidé de renoncer au mariage, à la richesse et de se consacrer à l'étude. C'est à leurs yeux, disent-ils tous les deux, d'ailleurs, vivre en vrai sage, en suivant l'exemple du maître absolu, le modèle de sagesse, le didascalos, comme dit Matthieu, c'est-à-dire le Christ. Mais ce projet est contrarié non seulement par sa santé, mais aussi par son père, le vieil évêque de Nazianze. Ah, les parents. Grégoire l'Ancien, qui jusque l'heure est venu pour son fils, de lui succéder, vu qu'il a toutes les compétences nécessaires pour conduire une vie de prêtre et pasteur, et qu'il saura rédiger des homélies, activités pastorales et catéchétiques majeures à cette époque. Le fils résiste, le père insiste. Grégoire cède à contre-cœur en 361. Et en parlant de cette acceptation, il parle, je cite les deux mots, une tempête terrible, c'est-à-dire le bouleversement de cet homme. Et tempête terrible à cause de son indignité qui lui paraît immense, et il a le sentiment de céder à une imposture en cédant aux instances de son père. Alors, il est condamné à desservir un gros bourg pendant quelque temps, parce que c'est même Nazianze est un petit un gros bourg. À ce moment-là, il y avait des évêques qui n'étaient pas du tout répartis comme l'usage en avait pris par l'Église romaine, surtout. Et il s'enfuit. Il quitte sa charge, nerveusement à bout, épuisé, plein de chagrin, plein d'amertume. Et ce sentiment est si vif qu'il criera plus tard, d'ailleurs, qu'il a été victime de la tyrannie paternelle, qu'il a été trahi toute sa vie, et leurré par Basile, qu'il a été enfin empêché de mener cette vie de méditation et de contemplation qui lui est essentielle. Et cette fuite, il s'en expliquera aux fidèles, quelques années plus tard, qui n'avaient pas compris cet abandon, et qui en avait fait de sévères reproches à son père, en disant, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, d'autant que le jeune Césaire, le jeune frère de Grégoire, avait été démêlé à la cour de l'empereur Julien, on va pas dire des malversations, mais ça ressemblait à cela. Et donc, l'opprobre avait l'air d'être jeté sur la famille de Grégoire de Nazianze. C'est pourquoi il s'explique donc de cette fuite, un jour de Pâques, et il expliquera, dans un très beau discours d'ailleurs, ce que c'est que d'accéder à la dignité du sacerdoce et comment on peut fuir quand on a le sentiment, non, ça n'est pas la réalité, certainement pas, mais le sentiment qu'on n'est pas à sa place. Alors c'est intéressant de voir, parce que Grégoire de Nazianze, quand il ne peut plus supporter une situation, ou son corps, ou son esprit, l'abandonne. Comme si, et c'est ce qu'il dira dans le dernier poème autobiographique, comme si, malgré la volonté, malgré le désir de bien faire, vient un moment où la nature, la réalité de ce que vous êtes, parce qu'on ne peut pas se mentir avec soi-même, et c'est pourquoi je disais travaille sur soi, mais travaille avec soi, si on n'est pas son propre complice pour aller, pour marcher convenablement, eh bien, on risque fort d'être déconvenu. Et, évidemment, cette démonstration pourrait avoir l'air paradoxale, puisque tout le monde parle de Saint Grégoire de Nazianze, que c'est une personnalité absolument exceptionnelle parmi les pères de l'Église, mais c'est qu'il a eu aussi la capacité d'analyser régulièrement ce qui lui arrivait. Et à chaque fois, il a l'idée d'en secréter le remède, même si régulièrement, parce que c'est pas toujours une régulation, même si régulièrement, on vient justement l'empêcher de vivre ce qu'il se sent appelé à vivre.
Alors enfin, ultime difficulté que lui inflige Basile, il lui impose d'être évêque. Pour grossir le nombre des évêques nicéens, c'est important à savoir, on est en plein arianisme, et l'empereur a décidé de couper la Cappadoce en deux. Or, en coupant la Cappadoce en deux, eh bien, on rend l'une des deux Cappadoces bien supérieure à l'autre, et notamment celle que ne dirige pas Basile, et on livre donc globalement la Cappadoce à l'arianisme. Pour lutter contre cela, Basile, qui est un pragmatique de première envergure, qui reprochera aussi bien Grégoire de Nazianze qu'à son frère Grégoire de Nice d'être un petit peu naïf et qu'il faut un peu savoir fonctionner dans le monde, savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire. Il aura dit clairement, il n'y a aucun sens de la stratégie, on ne peut confier aucune mission diplomatique, c'est un échec à chaque fois. Et c'est surtout à son frère qui disait ça, évidemment, Grégoire de Nice. Donc, à la suite de ce découpage, il nomme un certain nombre de ses amis et de sa parentèle évêques. Donc on se trouve dans la deuxième Cappadoce, deuxième partie de Cappadoce, avec plus d'évêques nicéens que d'évêques ariens dans la première Cappadoce. Il est évêque de Sazine. Alors, là aussi, ce que Grégoire accepte au nom de l'amitié et pour lutter contre l'arianisme. Mais l'évêque arien de Sazine l'empêche de prendre possession de son siège. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris le siège de Sazine. Et il évoquera dans ses textes, d'ailleurs, le dégoût que lui inspira cet épisode. Alors, le mot est important aussi. Parce que le dégoût, c'est le rejet, le mot est très fort, hein, c'est le rejet de ce qu'on est amené à vivre ou qu'on vous force à vivre. C'est-à-dire, c'est tourner le dos, d'une certaine façon, à la vie. Or, tout ce qui touchera les engagements qu'on l'a obligé à prendre, mettra Grégoire de Nazianze dans une situation de porte-à-faux où il aura le sentiment qu'on l'emmène là où il ne veut pas aller, mais où il continue quand même à aller à cause de sa foi. Et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas le dos, même s'il résiste à ce qu'on veut lui faire faire, parce qu'à chaque fois, il y a un élément qui lui paraît supérieur à son confort personnel. Il est prêtre, c'est important qu'il soit prêtre, même s'il ne souhaite pas. Il est évêque, il ne veut pas, mais c'est important qu'il soit évêque, il doit participer à la lutte contre l'arianisme. Enfin, Grégoire, qui se sent de plus en plus destiné à une vie d'anachorète, faite de prières et d'études de la théologie, puisque c'est son vœu le plus cher, est sollicité par sa cousine, Théodosie, pour venir à Constantinople, et en lui annonçant que l'empereur Théodose Ier, nicéen, alors j'insiste bien là-dessus, parce que c'est absolument fondamental, à cette époque, on ne cesse d'osciller entre arianisme, nicéen, arien, nicéen, arien, nicéen, sur le siège de Constantinople, il y a une véritable alternance, et des combats farouches, féroces, comme seul, j'allais dire que le clergé en est capable, je dis ça parce que j'ai été élevé quand même 7 ans chez les jésuites. Je sais un petit peu ce que j'ai vu. Alors, le voilà donc. Alors, les enjeux pour l'orthodoxie sont considérables. Et à cause de ces enjeux, Grégoire, une fois de plus, accepte cette charge. Il sera finalement invité à participer au concile de Constantinople, puis chargé par l'empereur lui-même de présider ce concile. Alors vous voyez, pour cet homme qui veut être un anachorète et un enseignant, alternant ces deux activités qui le laisseraient serein, qui lui permettraient d'approfondir les questions justement de théologie, de la Trinité, etc., qui sont sa véritable nourriture. Et il sent bien qu'il a au fond de lui-même, le talent, le génie d'écriture, parce qu'il faut songer aussi que Grégoire de Nazianze a forgé un nouveau vocabulaire pour rendre compte de, j'allais dire, de l'état compris et perçu de la Trinité. Parce qu'il fallait disposer des mots encore pour parler de la Trinité à bon escient.
Et il sera un des premiers à comprendre que c'est le mot consubstantialité. Et quand il parlera de la divinité du Saint-Esprit aussi, il aura des pages, je ne vais pas déployer tout ça parce que ce serait un autre sujet. Il a des termes d'une exactitude et d'une pertinence qui ont été définitivement admis par l'Église. Et c'est cela qu'il veut faire. Et le voilà maintenant à la tête d'un concile. Et il doit remplacer un certain Démophile, qui est l'évêque arien. Alors, entre-temps, prêchant le jour de la Pâque 379, il est reçu à coups de pierre et traité d'hérétique. Parce qu'un Nicéen, c'est forcément un hérétique. Évidemment, si c'est un arien qui parle, c'est logique. Il décide de fuir la ville, mais les fidèles ne le laissent pas partir. Car en partant, il a ce mot, « Je pars, mais je vous laisse la Trinité. » Alors évidemment, les autres répondent aussitôt, « Au Père, en nous abandonnant, vous abandonnez la Trinité. » Alors évidemment, là aussi, saisi par cette demande, par, en fait par une formulation qui tout d'un coup, parce qu'il y aurait quelque chose d'un peu naïf à penser que ce dialogue, vraiment justement, sera arrivé au bon moment. Mais ce qui est surtout perçu par Grégoire de Nazian, c'est que ces mots de Trinité pour lesquels il se bat, s'il quitte Constantinople, ce n'est pas Constantinople qu'il quitte. C'est son combat pour la Trinité. Et le mot des fidèles, évidemment, résonne en lui presque comme un électrochoc et le contraint à continuer sa route. Véritable, ascèse. C'est-à-dire, au fond, le travail sur soi vient de façon très indirecte, non pas alors qu'est-ce que je fais, alors là je me mortifie, allez je ne mange plus steak frit pendant 4 jours, non, c'est pas ça, je ne fume plus pendant 15 jours, ce qui est déjà pas mal, mais c'est autre chose, je continue la route que je ne veux pas emprunter parce que à chaque fois je vois bien qu'il y a un intérêt supérieur et pour l'instant, c'est moi qui devine cette place, pas un autre. Alors Grégoire, sans relâche, conduit ce combat et il aura l'occasion d'écrire dans ces temps-là, d'ailleurs, les fameux 5 discours théologiques dont vous parliez ce matin, Monseigneur, et qui sont en fait consacrés au sujet de la Trinité. Et ils seront prononcés dans la petite église d'Anastasia, qui est en fait une pièce de palais qu'il a prêtée pour servir d'église, puisqu'on l'empêche d'entrer dans sa propre cathédrale. Grégoire de Nazian ne pourra entrer dans sa cathédrale qu'au milieu du concile. Auparavant, les Ariens, qui tiennent donc tête à l'empereur, ah non, c'est pas un club de petites filles, hein, ne laissent pas le patriarche de Constantinople entrer dans sa propre cathédrale, hein, qui est l'église des saints apôtres. Entre-temps, il a manqué d'être assassiné par un jeune homme qui était soudoyé par des évêques égyptiens, qui voulait le chasser de la présidence pour prendre sa place. Alors évidemment, ça fait quand même beaucoup d'épreuves. Et de ces vicissitudes, eh bien Grégoire fait émerger de sa conscience, de sa méditation, le théologien exceptionnel qu'il est en train de devenir. Et en engendrant l'Église, il nous engendre aussi ses discours sur la Trinité, la divinité du Saint-Esprit, qui est un sujet neuf pour l'époque, lui coûteront son siège et sa présidence du concile. Parce que les évêques, dans leur grande majorité, ne sont aucunement prêts, théologiquement parlant, à entrer dans cette conception. Il faut songer, en simplement 3 mots, se rappeler que les évêques de cette époque ont été largement des hauts fonctionnaires qui ont pris en cours de route le chemin de la carrière religieuse au lieu d'être politique, et évidemment, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être nommés évêques. Ils étaient gérants déjà de grands biens, ils savaient conduire les finances publiques, c'était des stratèges politiques, mais beaucoup n'avaient pas une formation théologique extraordinaire, n'en avaient cure d'ailleurs, et Grégoire de Nazian, à un moment, les traite de trafiquants du Christ, tout simplement. Et il a dans un poème autobiographique des noms beaucoup plus sévères, il traite de noms d'oiseaux, de charognes, etc. Alors, ça peut paraître cruel, évidemment, peut-être, on peut dire comment, dans la boucle à saint, il a dit ça, mais tout le Christ a fait une colère aussi sur les marges du temple. Et il a parlé de voleurs. Et comme par hasard, quand on parle de trafiquants du Christ,
et de la colère du Christ traitant ces marchands de voleurs, on est quand même dans une parenté digne, effectivement, de discours un peu vifs. Alors, ces œuvres écrites seront pour lui, dans la deuxième partie de sa vie, après son retrait de la présidence du Concile œcuménique de Constantinople, donc en 381, l'ultime occasion d'atteindre ce temps de répit qu'il attendait. Et c'est justement son long poème autobiographique, qui est écrit vers 388, il meurt en 390, à 60 ans, qui résume sa vie. Un poème de 634 vers en forme de prière. Et où il exprime dans une sorte de lamento, écrit dans une très belle langue, ce qu'est le tissu de sa vie et le déchirement crucial depuis qu'il est revenu d'Athènes. Appelé à deux vocations, l'une universitaire, l'autre de théologien, on employait à cette époque le mot de philosophe plutôt, mais c'est synonyme, faite de vie hérémitique et de contemplation, eh bien, il n'a eu vraiment ni l'une ni l'autre de ces deux vies. En effet, il est happé par les exigences pastorales que lui impose son père, il est happé par les tâches matérielles de gestion de propriété, parce que lorsqu'il est prêtre à Nazianze, son père lâche aussi la direction de la propriété et lui ordonne de lui succéder à la tête de ses grands biens fonciers. Or, il n'était pas de nature à se faire très obéir des esclaves qui le roulaient régulièrement. Donc, il a le sentiment vraiment qu'il vit à contresens de sa vie. Et qu'est-ce qui ressort de tout cela? C'est un homme qui obéit. Et obéir, ça veut dire obéir, c'est-à-dire j'écoute ce qui me vient d'ailleurs et ce qui vient de Dieu. J'ai dit de Dieu, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, nous l'avons déjà dit, il y a une nécessité qui lui apparaît de façon lumineuse et convaincante et qui empêche toute dérobade. Il évoque aussi les soucis que lui cause son frère Césaire à la cour de l'empereur Julien.